Raphaël, encore une nouvelle vidéo donc à Paddy Park. Cette fois-ci, on va entamer un sujet du coup important. C'est le sujet donc c'est les serpents venimeux. Oui. Avec la présentation donc d'un spécimen ici qui est en train de finir un petit peu son repas devant nous, qu'on va voir justement que tu as nourri. Tout à fait. Et qu'on va avoir bah, mangé le Naja caussia. Oui. Un naja du coup donc originaire d'Asie, du coup qu'on va pas mal trouver notamment en Thaïlande, mais aussi dans d'autres pays. Eh bien, écoute, je vais te laisser avec la sans-piété la question que je te pose à chaque fois. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton animal et dire voilà, des petites choses à savoir sur lui? Ok. Bah, écoute, là, comme tu l'as précisé, nous sommes en présence d'un naja caussia. C'est ce qu'on appelle vulgairement un cobra à monocle. On l'appelle ainsi tout simplement parce qu'à l'arrière de sa coiffe, cet animal a ce qu'on appelle un motif qui ressemble à un monocle. Donc c'est un rond, hein, ça ressemble à un œil tout simplement. D'où son nom vernaculaire. On va revenir sur la coiffe après, vous expliquer un petit peu ce que c'est, on appelle ça la coiffe ou le capuchon. Cobra monocle, on peut le croiser effectivement dans différents pays, Malaisie, Birmanie, Bangladesh, relativement courant dans ces régions-là. En fonction de la localité, on peut avoir des couleurs légèrement différentes. Là, nous sommes en présence d'une jeune femelle, et cette femelle a mis au monde des juvéniles il y a peu. Une jeune maman, oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Et au sein de cette ponte, on a eu l'agréable surprise de découvrir un bébé un peu atypique. C'est que nous avons obtenu un bébé leucistique, en l'occurrence donc un bébé tout blanc, avec les yeux bleus. Donc en gros, alors, on va vous montrer un peu hein, donc ce fameux leucistique. Hein. Vous retrouvez ça notamment sur le Facebook de Paddy Park, vous avez des photos hein, qui vous permettent de le voir. Ouais. C'est aussi un animal qui a mué hein, pendant que nous on était là justement, qui a fait sa première mue. Voilà, ouais. On a suivi mon petit piton, là on a eu l'occasion justement de le suivre un petit peu de près, enfin savoir de tous ses premiers pas, j'ai envie de dire, dans la vie. Ouais. Il est absolument sublime et c'est vrai que voilà, bah, on va montrer quelques petites images après. Moi j'aimerais que du coup on revienne un petit peu sur ce serpent. Globalement, donc, encore une fois, donc, on est sur du venimeux, oui. Donc tu l'as dit, donc en nature. C'est un serpent qui va avoir quel comportement, globalement? Parce que c'est vrai, quand on pense serpent venimeux, c'est souvent aussi alors, sujet à un fantasme, tu vois. Ouais. Et, alors malgré tout, c'est un serpent farouche qui se dissimule régulièrement. J'ai vu qu'on peut le trouver des fois dans des trous, même des trucs comme ça, un petit Oui, oui, il adore se dissimuler, y compris dans les fondations de pavillons ou des choses comme ça. La bonne petite surprise. Hein. Alors pourquoi? Parce que déjà, il y a aussi bien souvent des rongeurs à proximité, donc il y a de la nourriture. La fraîcheur peut-être aussi, non, qui peut jouer. Oui, parce qu'il y a des régions où des fois, on peut avoir relativement chaud. Et pour la thermorégulation, ils aiment bien aussi trouver des endroits un peu plus frais et humides. Et donc, on a abondance de rongeurs dans certains. À partir du moment où il y a des hommes, de toute façon, oui. Il y a de la nourriture, il y a des rongeurs. Donc, forcément, ils ne craignent pas trop de s'approcher des habitations parce qu'il y a de la nourriture à proximité. Très opportuniste aussi comme animal, puisqu'il peut se nourrir de toutes sortes de proies. Il peut manger des micro-mammifères, il peut manger des oiseaux, des oisillons, des amphibiens, des œufs. Très polyvalent, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Oui, oui. D'autres serpents, hein, ça peut arriver dans certains cas. Hein, c'est beaucoup de cobras ont une faculté à être ophiophage quand il le faut. Ouais, alors on va rappeler ce que c'est qu'ophiophage. Hein. Ophiophage, c'est de se nourrir d'autres individus de son espèce ou d'une autre. Hein, ouais, donc tout à fait, ça peut, ouais. Voilà. Donc il y a certains serpents qui sont spécialisés dans ce domaine. Tout à fait. C'est le cas d'un cousin à lui qui on appelle Ophiophagus ana, qui est le fameux cobra royal. Tout à fait. Alors, le cobra royal, lui, son nom latin, indique parfaitement son régime alimentaire. Donc, il est effectivement essentiellement ophiophage. Et certains cobras peuvent être ophiophages opportunistes. C'est le cas du caussia, qui peut l'être. Alors, nous, en acclimatation, on les nourrit essentiellement avec des rats et des poussins. D'accord. Voilà. Donc, toujours la variation, malgré aussi, tout, voilà. Histoire d'éviter de... On alterne aussi, ouais. Voilà. Et de toute façon, j'ai l'impression que c'est une constante, au final, sur les animaux à Paddy Park. C'est-à-dire qu'on essaie oui, d'alterner essaie pas mal les proies. De leur proposer ouais, pas mal de une choses, variété dès que c'est possible, ouais. Dès que c'est nécessaire ça pour éviter l'obésité. Ça peut être souris, ça peut être rat. Voilà. À la place d'un rat, on peut donner 4-5 souris. À la place d'un rat, on peut aussi donner 3-4 poussins. Donc là, concrètement, tu as donné un rat à peu près combien de grammes? Un rat qui faisait à peu près 180-200 grammes. D'accord. Voilà. Donc tu nous as parlé, donc c'était une jeune femelle, je crois, c'est ça? Oui. Hein, et donc, elle est globalement, par rapport à sa taille adulte? Alors, la taille maximum que peut atteindre cette espèce, c'est environ 2 mètres. On peut avoir des individus qui atteignent 2 mètres 20, 2 mètres 10.
Bien souvent, c'est 1m80. Voilà. Voilà. Encore une fois, il y a les records, évidemment, mais qui sont pas très... Exactement. C'est un peu comme chez nous, quoi. Je veux dire, tu vas trouver des gens qui tout ont à fait. 2m10. 2m, c'est une moyenne. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Ouais. Là, c'est une femelle qui a un peu plus de 3 ans. Elle doit avoisiner les 1m40, je pense, à peu près. Voilà, elle a encore de la marge. Et voilà, les mâles deviennent un poil plus gros. Enfin, de ce que j'ai pu observer. Après, il y a toujours des exceptions. Bien souvent, c'est vrai que les femelles sont plus grandes chez les Ophiniens. Mais voilà, je pense qu'aussi les femelles, si on les reproduit régulièrement, la croissance ralentit considérablement par rapport aux mâles. Et c'est pour ça qu'on a souvent des mâles plus gros. In natura, c'est peut-être pas le cas. Moi, j'aimerais aussi qu'on revienne sur autre chose, parce que là, du coup, donc, elle est en train de finir de manger. Oui. Si jamais vous venez, vous doutez bien que c'est une portée, c'est qu'il y a aussi un mâle qui traîne. Et donc, le mâle, en fait, tu ne l'as pas nourri avec. Non, le on mâle, évite. Et donc, est-ce que tu peux dire simplement les raisons qui te poussent à isoler, comme ça, encore une fois, tes serpents? Alors, l'un de pendant une séance de nourrissage, on essaye systématiquement d'isoler les individus quand ils sont à plusieurs dans le même vivarium. Pour une simple et bonne raison, c'est que parfois, deux animaux peuvent être intéressés par la même proie. Et ça peut se solder par, par une attaque simultanée des œufs sur la même proie. Et on sait comment ça termine. C'est-à-dire que personne alors déjà, on peut avoir des animaux qui se blessent, ne serait-ce qu'au niveau de la morsure. Au niveau de l'attaque, déjà, voilà. Et on rappelle qu'on est du venimeux. Exactement. Voilà. Alors, même s'ils sont immunisés entre eux au sein de la même espèce, puisque là, on a affaire à un venin qui est essentiellement neurotoxique, un caoutchia peut très bien mordre un autre caoutchia sans le tuer. Ouais, mais ça va toujours engendrer des problèmes. Bien sûr. Là où ça devient plus compliqué, c'est si on s'amusait à faire ça sans surveiller en plus. Là, c'est problématique parce qu'on peut avoir deux animaux qui prennent la même proie, qui commencent à l'ingérer chacun de leur côté. Et vous savez comment ça se passe dans ces cas-là? C'est qu'une fois que l'ingestion a commencé, il n'y a pas de recul. En général, le plus gros va manger l'autre. Ils sont en pilotage automatique. Exactement. Et le premier qui arrive à passer ses mandibules sur l'autre va continuer, et par réflexe, il va ingérer son congénère. Donc, on les sépare systématiquement pour le nourrissage, que ce soit alors les élapidés plus particulièrement. Il peut nous arriver de nourrir deux animaux dans le même terrain, mais ce sera sous surveillance, avec une distance appropriée. Et dans l'idéal même, c'est avant de remettre les animaux en présence, on les rince légèrement. D'accord. Afin d'enlever un minimum les odeurs de rongeurs. Parce qu'on a constaté aussi chez certains cobras que même s'il n'y avait plus de présence de proie, s'il y a une odeur potentielle dans l'air, ils peuvent de temps en temps se mordre entre eux ou même... ne serait-ce que sentir la proie au travers du corps. Je l'ai observé. C'est-à-dire qu'on peut constater qu'un individu focalise sur l'endroit où la proie est située dans le ventre de son congénère et d'un coup va se mettre à le mordre à cet endroit-là. Donc voilà, ça c'est des observations que j'ai faites et faut faire extrêmement attention à ça. Tu m'étonnes. Si on ne veut pas que ça se solde par une catastrophe. Exactement. Donc ça c'est le nourrissage au niveau des précautions que toi t'as à prendre. Parce que évidemment quand les gens vont venir en fait visiter le parc, les venimeux c'est forcément quelque chose qui attire. D'accord ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être, j'imagine, parmi les serpents qui vont être là en plus de ça avec alors, la naissance que vous avez eue. Oui, alors nous justement on présente des serpents venimeux parce qu'ils font partie entre guillemets du panel des serpents. On n'en fait pas une collectionnite. Non, voilà. Tout à fait, Tout ça pour expliquer aux gens, effectivement, qu'il existe différentes morphologies, différentes espèces. Différentes, voilà. On ne présente pas non plus une quantité phénoménale de serpents venimeux, mais on a une ou deux espèces de cobras, une ou deux espèces de vipères, une ou deux espèces de crotales. Et ce que je voulais dire par là, c'est que du coup, c'est pas des serpents que, au niveau de la manipulation et au niveau justement de la démonstration, tu vois, par exemple, quand on a vu certaines espèces, évidemment, tu peux les montrer au public, là, c'est pas le cas. Tout à fait. On va préciser que donc il y a une installation qui est spécifique par rapport à ça. Tout à fait. Et que donc jamais les gens vont pouvoir être mis en contact direct. Jamais. Avec de toute façon, la majorité des vivariums qui hébergent des espèces dangereuses ont un vitrage qui ne s'ouvre jamais côté public. C'est un vitrage feuilleté. On a des sas de sécurité à franchir, enfin, pour ma part. Lorsque je veux intervenir au sein de ces animaux, j'ai trois portes à franchir. T'as aussi le crochet, t'as aussi voilà, tout ça. Crochet, en fonction des espèces, si c'était des cobras cracheurs du type Sputatrix ou lunettes, lunettes pour éviter justement de se faire cracher le masque, dans les yeux. Ouais. Exactement. Donc tout ça, oui, tout sont des protocoles établis. Et on a mis en place donc tout ça pour maximiser la sécurité. On intervient systématiquement à deux. Alors, quand je dis intervenir, on n'est jamais deux derrière. C'est-à-dire que moi, je suis tout seul
pour m'occuper de la manipulation. Mais tu as quelqu'un avec toi au cas par où. Par contre, il y a quelqu'un qui est en surveillance de l'autre côté. Au cas où, effectivement, il y ait un problème quelconque, pour alerter les secours si nécessaire. Bien sûr. Donc tout ça est écrit noir sur blanc. Les soigneurs qui travaillent avec moi sont au courant des procédures à mettre en place. Les protocoles. Exactement. Qui sont diligents. Voilà. On va peut-être revenir un peu du coup donc, sur le serpent. Oui. Globalement, donc, au niveau de la maintenance, est-ce qu'il y a des choses à... Alors au niveau maintien, c'est pas un animal difficile à maintenir, encore une fois. Il est peut-être plus difficile à gérer en matière de manipulation et de comportement, voilà, comme beaucoup des lapidés d'ailleurs. On n'a pas précisé, mais d'ailleurs le CDC, on oublie de ne pas avoir le CDC évidemment avant ça. Mais en plus de ça, j'ai envie de dire que du coup, voilà, c'est un serpent qui va. On comprend tout à fait. De manière générale, de toute façon, les lapidés, on ne les aborde pas comme première espèce venimeuse quand on débute. Effectivement, on commence d'abord par d'autres espèces. Mais il revient du coup sur le terrarium, du coup, donc ouais. Alors, le terrarium, un setup, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Pareil, un point chaud à 31-32, qui représente à peu près un tiers de la superficie totale du vivarium. On peut les avoir dans un vivarium de type semi-arboricole ou un grand terrarium terrestre, parce que c'est des animaux qui ne dédaignent pas non plus se percher, ils sont très observateurs. Mais ils ne dédaignent pas non plus s'enfouir. Donc il peut leur arriver de... Alors dans l'idéal, c'est de leur proposer une cachette, pareil, encore une fois, assez intéressante pour eux. Un substrat un peu meuble, peut-être. Ils aiment bien, ouais. Alors en présentation au public, c'est toujours un peu délicat, parce que si on s'amusait à... Il y a de fortes chances qu'ils passent des heures là-dedans. Faut essayer de faire un truc sympa, de façon à ce que les animaux puissent se sentir dissimulés tout en étant visibles. Voilà. Donc c'est la complexité de la présentation au public. C'est toujours un peu des trucs dans la dérophilie de façon règle générale. Ouais. Alors après, effectivement, moi si je les avais à titre personnel chez moi, je pense que l'installation serait différente. Je leur ferais vraiment une belle cachette de façon à ce qu'ils puissent y passer des heures. Ouais, tout à fait. Mais voilà, c'est pas... Faut penser au public aussi, évidemment. Exactement. Faut que les gens puissent au moins les voir de temps en temps. À côté de ça, c'est un serpent qui peut être débordant d'activité par moment. Donc, les cobras sont des animaux. Il est diurne, nocturne ? Qui bougent beaucoup. Alors, ça va dépendre de la saison. D'accord. Et essentiellement de la température. Okay. Donc, bien évidemment, quand il fait très très chaud dans les pays d'origine où il vit, il peut passer des journées entières sans sortir. Par contre, au crépuscule ou la nuit tombée, il va avoir de l'activité. Et à l'inverse, quand les températures sont clémentes pour lui, notre animal peut être tout à fait diurne. D'accord. Donc, il va s'adapter. Il va s'adapter. Ce sont des animaux qui consomment quand même beaucoup de proies. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une activité parfois débordante. Donc ils peuvent passer plusieurs jours à être en activité, à bouger, à observer, à... Voilà. C'est pas comme un python qui peut rester des semaines sans bouger, lui par contre, tranquille. Ce sont des animaux qui, eux, peuvent être débordants en activité. Donc dans la mesure où on est débordant en activité, on consomme de l'énergie et on s'alimente beaucoup. Voilà. Donc, ils peuvent effectivement, à taille égale avec une autre espèce, consommer deux fois plus par moment. D'accord. Voilà. Donc, ça, il faut en tenir compte. Oui, ouais, effectivement. Ouais. On va revenir sur la fameuse coiffe. Oui. Du coup, tu m'expliquais un petit peu le fonctionnement quand tu faisais le nourrissage. Je vais te laisser reprendre les explications pour tous nos téléspectateurs YouTube. Ouais. Du coup, comment est-ce que ça va se passer du coup au niveau de la coiffe ? Alors la coiffe, les capuchons aussi. Hein, voilà, coiffe ou capuchon. Là, on vient de l'avoir faire à peine. Alors la coiffe ou le capuchon, ça peut avoir deux fonctions. Alors déjà, c'est une particularité anatomique spécifique à beaucoup de cobras. C'est-à-dire que ces animaux ont, comme tout serpent, on a une boîte crânienne, une colonne vertébrale et on a deux côtes par vertèbre sur cette fameuse colonne. Ces côtes sont reliées à des muscles spécifiques. En l'occurrence, les 7-8 premières rangées de côtes juste derrière la boîte crânienne sont reliées à des muscles spécifiques. Et comme vous le savez, les serpents n'ont pas de sternum. Mmh. C'est ce qui leur permet aussi d'ingérer de très grosses proies. Mmh. Les côtes sont mobiles. Et là, qu'est-ce qui se passe quand un cobra est surpris ? Il a un réflexe tout simple, c'est de se redresser rapidement, d'écarter ses fameuses côtes grâce à ses muscles. Et en fait, ça va ouvrir ce que l'on appelle cette fameuse coiffe ou ce capuchon. C'est du bluff, c'est pour intimider. Regarde comment je suis grand, regarde comment je suis large, je te fais peur. Et en même temps, notre animal va souffler. Il va faire des souffles courts et vifs
ça peut surprendre effectivement quand on ne le connaît pas. C'est intimide. Voilà, enfin, tout à fait. Et là, qu'est-ce qui se passe quand un cobra est surpris? Ben, il a un réflexe tout simple, c'est de se redresser rapidement, d'écarter ses fameuses côtes grâce à ses muscles, et en fait, ça va ouvrir ce que l'on appelle cette fameuse coiffe ou ce capuchon. C'est du bluff, c'est pour intimider. Regarde comment je suis grand, regarde comment je suis large, je te fais peur. Et en même temps, notre animal va souffler. Il va faire des souffles courts et vifs. Ça peut surprendre, effectivement, quand on ne le connaît pas. C'est intimide. Voilà, enfin, tout à fait. Alors, les caoutchias, en règle générale, font face. Certaines espèces ne vont pas hésiter à se retourner pour vous montrer un motif. C'est le cas du cousin qui est à côté, c'est le Naja-Naja, qui lui est appelé cobra à lunettes parce qu'il a un motif avec deux yeux et un menton au milieu. Ouais. Et en fait, le fait de se retourner et de montrer ce dessin, ça peut surprendre parce qu'on a deux gros yeux. Donc il y a certains prédateurs qui parfois reculent en se disant « mince, c'est plus gros que ce que je pensais ». C'est donc, à l'heure en fait un petit peu. C'est une astuce qui permet en même temps de vérifier un point de fuite. Ouais, d'accord. On se retourne, on présente ça. Et en même temps, on regarde. Et en même temps, regarder par où on peut fuir. Donc ça, c'est une façon de prévenir. En fait, c'est pas parce qu'un cobra coiffe qui va frapper tout de suite. Encore une grande intelligence, on peut dire. Oui, c'est un comportement super développé, en fait. Alors en plus, c'est des animaux qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, venimeux. Le venin, c'est quelque chose de précieux pour eux. Et on ne va pas le gaspiller inutilement non plus. On va s'en servir à bon escient. Donc dans l'idéal, si on peut prévenir avant qu'il y ait une sanction, c'est très bien. En règle générale, c'est ce que font les cobras. Par contre, si on insiste ou qu'on les prévient pas, bien évidemment, il y aura une sanction rapide. C'est ça. Ouais. Et la coiffe peut aussi servir à autre chose. J'ai pu observer des cobras qui, parfois, coiffaient à l'horizontale, comme ça, pour des raisons inconnues. Et en fait, ce sont des animaux qui vont se servir du fait qu'ils aient une coiffe pour capter le plus de rayons solaires possible et thermoréguler plus rapidement. D'accord, ok. On offre plus de surface tout à fait, ouais. En contact avec les rayons solaires, on va thermoréguler plus facilement. Donc ça peut aussi être une technique... Donc en fait, selon la position, tu as un message analysé encore exactement. Une fois. Et voilà. Exactement. Ça m'est arrivé d'en observer qui coiffait comme ça, à l'horizontale. Sans avoir d'agressivité, du coup, juste simplement... Voilà. On emmagasine à un moment donné, et puis après, hop. Ouais. Donc ça peut aussi servir à ça. Alors, un panneau solaire, au final, quoi. C'est ça, c'est ça. De toute façon, les écailles d'un serpent, c'est un panneau solaire. Hein. Bien sûr. Et alors, le fait d'avoir des côtes mobiles, ça peut aussi servir à autre chose. On va aborder une autre espèce rapidement. Chrysopelea ornata, tous les Chrysopelea, enfin ont cette particularité, c'est que ces animaux peuvent, ils vivent perchés très très haut dans la canopée, et ils peuvent, à la présence d'un prédateur, se jeter dans le vide et planer, littéralement. Le nom vernaculaire, juste, tu te... Serpent volant, bien souvent, on l'appelle. Volant, alors, ils volent pas, ils planent. Ils planent. Voilà. Et c'est un peu la même chose, sauf qu'on a toutes les côtes qui sont mobiles, tout le corps. Et donc ça fait un peu comme les hommes, les hommes chauves-souris, là, tu sais, que c'est tu vois. C'est un peu ça, exactement. Ouais. Dessous, ça fait une forme d'écope, et ça permet d'atténuer la chute, en fait. Tout à fait. Ouais. Donc, beaucoup d'espèces se sont adaptées physiquement à leur mode de vie. C'est ce qui est super intéressant avec les animaux, c'est justement, ils sont adaptés physiquement à chaque région dans laquelle ils vivent, donc c'est fantastique, quoi. Tout à fait.